Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Floflo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc c'est la toute première vidéo de cette série et c'est d'ailleurs mon tout premier gameplay. Donc voilà, je me lance dans les gameplays sur la chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de commencer par du Clash Royale, donc c'est parti, je viens tout juste de lancer le jeu. Et nous nous retrouvons face à Instructeur Earl, je sais pas comment on prononce ce prénom, mais bon. Bref, du coup, bienvenue dans Clash Royale. Alors, terminez des combats d'entraînement avant de vous battre pour de bon. Ok, bah let's go, du coup on va s'entraîner. Donc, j'ai déjà joué à Clash Royale, hein, vous inquiétez pas, je suis pas trop nul, ça va. Alors, vous êtes attaqué. Jouez des cartes pour défendre vos tours. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de recommencer le jeu en vidéo, du coup. Surtout que c'est un jeu que j'apprécie pas mal. Ok, donc là, ouais, ils nous apprennent comment mettre des cartes, du coup. Let's go, on a tout battu. Alors, jouer plus de cartes pour prendre l'avantage. Vas-y, let's go. Donc on va mettre, ouais, le géant, ici, peut-être. Let's go, on va remettre un chevalier, on va forcer. Je sais pas s'il va jouer une boule de feu, de toute façon. Dès le début, ça m'étonnerait, en vrai. Non, mais on va le déchirer, en vrai. Allez, petite boule de feu là. Allez, on speedrun les gars. Let's go, c'est bon. Nickel. Ok, donc première victoire. Victoire à 3 couronnes. Face au premier instructeur du jeu. C'est parti. Alors, quel âge avez-vous? Bon bah, j'ai 19 ans du coup. Alors, toucher pour ouvrir. Oh, une seconde, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? 4 cartes, ok, 24 d'or, c'est pas mal. Un chevalier. Des archers, ok. Le mini PK qu'on débloque. Et normalement, on va avoir une épique, non? Non, ok. La mousquetaire. Ouais, mais je crois que c'est peut-être le dernier coffre du camp d'entraînement, il me semble. Ok, donc on débloque le mini PK, la mousquetaire, let's go. Donc là, toutes les cartes à débloquer, on a du boulot, les gars. Ok, donc là, on va pouvoir améliorer 2 cartes, c'est parti. Bon, au début, on peut se permettre, en vrai. Hop, voilà, nickel. Ok, et du coup, on se lance en combat directement. Il nous force un peu. Alors, associons nos cartes pour mener une attaque plus puissante. Let's go. C'est exactement ce que j'ai fait, du coup. Mais bon. Ok, donc en fait, ouais. Il nous dit de les placer, mais en fait, c'est lui qui le place à notre place. Ok. Ok, nickel. Oh là, je balance des petites flèches là. Ah non, il veut pas, ok. Les sorts comme la boule de feu infligent des dégâts directs. Ok, donc du coup, il nous force à... Ok. Bon, au moins, on peut pas se louper. C'est déjà ça. Ok, nickel, j'ai détruit une tour avec le géant. On pourra pas détruire la tour sur ce push, malheureusement, quoique... Ah, ce sera pas assez puissant. On va placer le mini PK, peut-être les flèches pour aider. Est-ce qu'il place quelque chose? Je pré-shoot. Non, il place rien. Bon, bah ok. Instructeur Fikova, vaincu. Let's go. Ok, donc deuxième combat terminé. Alors, bah on va prendre le nom de la chaîne YouTube. Hein. Ok, donc c'est parti. Donc on a mis le petit prénom Floflo. Hop, voilà, on ouvre le deuxième coffre de la vidéo. C'est parti. Alors, 24 d'or encore une fois, une gargouille, une archère, le mini PK qu'on va pouvoir améliorer niveau 4 et le géant qu'on va pouvoir améliorer niveau 4 également, let's go. Hop, les événements qui me stressent un petit peu là, voilà nickel. Alors du coup on va pouvoir améliorer tout ça, géant que je vais en avoir besoin, mini PK, très important au début. Ok, on passe niveau 2, let's go. Niveau 2, tour du roi, tour des princesses qui ont plus de vie et qui infligent plus de dégâts. Et on va pouvoir ouvrir un coffre d'amélioration. Let's go, on y va. Alors, 45 d'or, putain j'en ai plus beaucoup, j'ai tout dépensé. 5 gemmes, une flèche, ok. Une archère encore une fois, 3 chevaliers, pas mal. 3 gargouilles et une boule de feu. La boule de feu très utile aussi, hein. Je peux améliorer les deux. Est-ce que j'économise mon or ou pas?
Non. Oh. Je sais pas. Ouais, je vais pas trop améliorer les trucs, mais boule de feu et flèche, ça reste quand même très important. Bon, je vais essayer d'économiser un peu quand même. Ok, donc là, c'est le dernier combat. Vas-y, c'est parti, épreuve finale. Il me semble qu'à l'époque, il y avait 7 combats à faire, hein, je pense. Alors, répliquer avec la bonne carte. Ok, donc là, on va apprendre à défendre. Attention. Ça devient sérieux. Ok. Merde, j'ai pas lu. Bah, je crois qu'il m'a dit de placer le mini PK. C'est exactement ce que je voulais faire, du coup. Ok, peut-être les archers aussi. Et normalement, ça va passer. Ok. Petite flèche au cas où. Est-ce que tu as placé quelque chose? Non. Ah, ça s'arrête là. Ok. Let's go. Troisième combat, 3 couronnes contre Instructeur Mike. Remporté. Donc voilà, avec notre joli pseudo. Ok, alors super archer. Ouais, donc là, c'est l'événement de la saison. Nouvelle arène atteinte, le Goblinarium. Voici la voie des trophées. Gagnez des trophées pour débloquer des récompenses et de nouvelles arènes. Obtenez 5000 trophées et atteignez le rang 30 du roi pour débloquer le Hall des Légendes, un mode classé compétitif. Je sais pas si on en fera, probablement. Ok, du coup là on a le Goblinarium avec 4 nouvelles cartes. Donc Gobelin Lance, Gobelin, Cache Goblin et Cabane de Gobelin. Et bah c'est parti du coup, bah, on va ouvrir le petit coffre, ce sera pour la prochaine vidéo, j'imagine. Donc voilà, donc on a notre petit deck, on n'a pas vraiment le choix. On va avoir du choix à partir du prochain coffre. Oh! 6 mousquetaires, nickel. Ça va faire une belle défense aérienne ça. Donc les clans... J'ai mon propre clan, je pense que je rejoindrai une prochaine fois. Donc bah c'est parti du coup, prochain combat. Donc là, ça va être un vrai combat, là, les gars. Normalement, ça va être contre une vraie personne. Ah, XXX vidéo. Ok. T'es sûr, mon ref? Enfin, je sais pas si c'est vraiment ce que je pense. Ok, boule de feu. Une gardou. Pas très problématique. Mousquetaire, on va placer une mini PK là-dessus. Hop, nickel. Ok, bon, j'espère que je vais pas perdre un Goblinarium quand même. Ok. Les archers qui n'ont pas survécu malheureusement. Ça abîme beaucoup le push. Mais on fait quand même beaucoup de dégâts. On va pas terminer la tour là-dessus. Mais ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est pas mal. En plus, c'est trop bien parce que j'ai commencé le jeu, on est en plein événement d'or, apparemment, parce que les tours, elles sont dorées. Donc, vraiment pas mal. Ça me permet de me faire des sous en même temps, vu que j'ai tendance à tout dépenser, parce que je peux améliorer plein de trucs. Donc, en même temps, j'ai que 8 cartes, dès que je peux en améliorer une, c'est forcément une carte de mon deck. Ok, mini PK, on va défendre ça avec des archers. Et... ça va être bon. Oh, heureusement qu'il a pas mis ses flèches avant. Heureusement qu'il a pas mis ses flèches avant. Ok, donc on va placer un géant au fond. Il a fait exactement la même. D'accord, d'accord. Du coup... Bah, en vrai, mousquetaire mini PK, ça va faire l'affaire, hein, je pense. Petite mousquetaire derrière. Oh putain, j'ai eu de la chance. Il m'a pas pré-shot. Et le mini PK qui va terminer le travail. Les flèches, les flèches, les flèches, vite, 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 vite. Nickel. Ok, on met un push de l'autre côté. Et là, XXX vidéo, il ne sait plus quoi faire. Il est totalement désorienté. Il joue plus, je crois. Il joue plus. Il joue plus. D'accord. Bon. Ça nous fait un petit paquet d'or quand même. Enfin, pour en mettre niveau, c'est plutôt pas mal. 30 trophées, petit coffre en or, 455 pièces, nickel. Et voilà. Et donc nos 30 premiers trophées. Donc on peut changer la bannière aussi, je sais pas si je vais la changer. Donc pour l'instant on n'a pas de badge. Vas-y, je vais mettre cette bannière là.
Ok, mousquetaire, je vais l'améliorer au passage. Alors, est-ce que je l'améliore au niveau 5? Je vais la laisser comme ça pour l'instant. Ok, bon, on va essayer de remplir les coffres du coup. Donc, on est contre Rohit. C'est parti. Donc, on va lui dire bonne chance. C'est vrai, merde, j'ai pas dit bonne chance au précédent. Quel mal poli. Oh là là, c'est honteux. Faites pas ça, les gars. Ok, ok. Alors, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as à nous jouer? Ne dis pas que tu... Non, ok, il a pas abandonné. On va mettre les flèches là-dessus. Le géant bois un mousquetaire. On a utilisé beaucoup d'élixirs, mais on a déjà le chevalier et les gargouilles qui sont prêtes. Les gargouilles qui se font one-shot. C'est parfait. Ah là, si tu défends pas, mon gars, tu vas perdre la tour. Hein. Il défend, mais il perd la tour quand même. Ça, c'est très bon pour nous. Hop, petit chevalier pour protéger la mousquetaire. Le mini PK pour abattre le géant. Encore une mousquetaire derrière. J'espère qu'il n'a pas de boule de feu. On a ici, vu qu'on est au tout début du jeu. Ok, il balance les flèches, ça marche. On met les flèches sur sa tour. Les deux mousquetaires qui vont finir le travail. Et c'est gagné, let's go. Bien joué. Bon, c'était une partie très rapide, hein. Je pense que même contre les instructeurs, j'ai pas fait plus rapide que ça. Ok, 28 trophées en plus, ce qui nous donne, du coup, 58 trophées. Et hop là, et on a notre première récompense. 10 gobelins ou 10 gobelins, lance. Ah. Non, moi je dirais les gobelins, lance. Je les joue pas mal sur mes plus gros comptes. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur mes gros comptes, je sais pas vraiment. Je sais pas. Je crois que je vais les mettre à la place du chevalier. En vrai, il y a déjà le mini PK. Je vais les améliorer un petit peu. Voilà, niveau 3. Ok, on va bientôt pas. Enfin, on est à la moitié du niveau 3. Allez, c'est parti. Dernière. Donc, c'est le dernier combat de la vidéo. On est contre Stéphane. Ok. Donc, bonne chance à lui. On commence avec les archers en fond. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? On va mettre Gargouille pour cycler un petit peu. Allô, est-ce que tu joues? Bon, bah tant mieux hein, s'il joue pas. Ok. Bon, on grappe un petit peu, on prépare un push. Mousquetaire. On va mettre le géant juste devant. On va accompagner tout ça avec le mini PK. Et les... Est-ce qu'on a besoin des gobelins à lancer? Je crois que je vais... Oh, je vais faire comme ça. Normalement, c'est une grave erreur de toucher la tour du roi. Mais bon, là, je savais qu'il allait perdre la tour de toute façon. Ah, la mousquetaire qui va tomber. Putain. Je dépense beaucoup d'élixir, là. Je prends un peu la confiance. Ok, il a jeté ses flèches. Bon, pour l'instant, on s'en sort bien. On a détruit une tour chez l'adversaire, la tour du roi adverse qui est à 1000 life. Ok, bon là on reprend l'élixir petit à petit. Est-ce qu'il va nous jouer quelque chose, notre ami? Je sais pas, je sais pas si, je pense que lui aussi il a dépensé beaucoup d'élixir en vrai. Ok, c'est un petit push quand même qui nous sort là. Les gargouilles là. Ah ouais. Le push totalement contré de notre part. Et on va pouvoir mettre le géant corner ici. Ah mais le roi était focus par les gargouilles. Et il a abandonné. Il a même pas pu faire de dégâts avec sa boule de feu, le pauvre. Ok, 26 trophées en plus, coffre en argent, et encore 455 pièces vu qu'on a fait 3 couronnes, et du coup on passe au-dessus des 1300 pièces. Ok, et bah c'est plutôt pas mal, on a fait la moitié de l'événement. Ok, bon bah les amis, ce sera tout pour ce premier épisode de Clash Royale, donc j'espère qu'il vous aura plu. Nous nous retrouvons donc pour un prochain épisode, peut-être la semaine prochaine, je sais pas exactement. Si ce sera un gameplay, et si ce sera un gameplay, bah, pff,
peut-être que ce sera sur Clash Royale ou ce sera sur un autre jeu. On verra bien. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une très prochaine fois. C'était Flo Flo. Ciao tout le monde. Bye bye.